Alors, c'est ici que j'ai vu Hafez, dans cette maison d'hôtes-là. Hop, et là, je vais déjeuner, il pleut. Avant, j'étais à l'hôtel Jardin. Mais purée, le personnel au-dessus, il respecte pas, mais vraiment pas. Hein. Vous voyez? Hôtel Jardin, là. Personnel irrespectueux. Yeah! Derrière, vous voyez? Hop! Et je vais vous mettre par devant. Donc après la Baie Bouge-l'Hôte, où j'ai été déjeuner, j'ai rencontré Hafeda, une pure Fassia, avec qui nous avons été au Mlah, donc le quartier juif qui se trouve entre la Médina de Fès et la nouvelle ville. Alors comme vous allez pouvoir le voir, nous sommes passés par Bab l'Amar ainsi que Bab Samarin. فاس يا روعة الشادي فاس يا روعة الشادي ومغنمه لأنت من عرسات الله بستان أفاس يا روعة الشادي ومغنمه لأنت أنت أنت من عرسات الله بستان قالوا أحببت فاسا قالوا أحببت فاسا وانشغلت بها ماذا عراك ألم تسحرك تقوان الكل في فاس ألغام موقعة كأن مبناها عيدان وأوثان لا أودع قلبي بين ذا وذا لا أودع قلبي بين ذا وذا بيننا وذاك الكل في فاس الكل في فاس الكل في فاس ما في الحق نكران. Donc là en taxi avec Hafeda, nous étions en direction vers le Mlah. Nous papotions. Elle me parlait des vestiges, des monuments qu'il y avait à gauche, à droite, plus haut, vers le bas, etc. Voilà, et j'étais à son écoute. شارع المالي ماري مارينيين 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 هما صحاب الملاح دونك اون بين ريستوراسيون هنايا وي راه شوف راهم كيفاش دايرين عنيده وشكل الداخل شكل دغيات هكا ولا داخل على الانتيريور لا ديور تخي ديور سو دي ميزون واخا شريت واش ما نصورش هنا كان يطلب العيد من دونك لا بلو فيي مونتر هنايا في الملاح الملاح كو لي جويف فو ليسي ايسي وي اون كران هوب وي جو باس هنايا ان بتي تاك ما شاء الله مانيفيك
Alors, l'ancien quartier juif du Maroc, ou garnison, est un quartier qui fait 7 hectares. Il comporte une seule porte de fortification pour entrer et sortir. À l'intérieur de la ville autonome, avec ses lieux de culte, son cimetière, ses ateliers de tissage, de confection, ses fours à pain, ses commerces, ses bains, les Juifs vécurent ainsi, repliés sur eux-mêmes, sous la protection du roi et à l'abri des vexations possibles. Alors si tous les métiers étaient représentés, la principale industrie était celle de l'or, dont les Juifs avaient le monopole en contrôlant la filière du minerai brut aux produits finis, bijoux, feuilles et fils d'or pour relieurs ou stylistes. Cette spécialisation faisait des Juifs les fournisseurs. Bismillah. Dabba hada shari' hada. ولكن هذا سي فاش قد نسميه تخيحي اكارتي وي انكارتي وي وغطك بسا سي كول بسم الله لا غراند بورت ان بوا اي اون ا دي دي كلو كلوتي ان فير فورجي ما شاء الله Comme en France, près des HLM de Mecca. Alors je me souviens, je n'étais vraiment pas à l'aise, surtout après le passage chez un bijoutier pour racheter une alliance parce que j'avais perdu la mienne dans un hôtel Riyad. Et ces questions étaient beaucoup trop intrusives et fourbes, donc j'ai pris mes jambes à mon cou.